Hello les amis, c'est Brandy Gaming et Manga.lu, j'espère que bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui est spécialement pour un abonné. Sa chaîne c'est Terreur Kiwi, donc allez vous abonner, hein. Ça me fera très plaisir, et à lui aussi. Donc c'est un tuto pour lui, pour qu'il sache bien utiliser KineMaster, que c'est un logiciel que je lui ai conseillé. Puis aussi je lui conseille le logiciel pardon, que j'utilise pour filmer mon écran, c'est tout simplement Mobizen. Voilà, tu chercheras Mobizen, tu trouveras sur le Play Store, sur l'Apple Store, je sais pas. Donc en fait, bon là déjà, tu cliques là-dessus. Voilà, tu prends ça. Donc, pour faire une vidéo, enfin pour mettre une vidéo, tu vois, dans Media. Bon, moi, tu vois, t'as plein de trucs. Tu vas dans Download en général pour les vidéos que tu as téléchargées. Mais bon, moi je l'ai mis dans Export. Enfin, moi il est dans Export de base. Voilà, donc, ça c'est ton intro que je t'ai faite. Donc, ensuite tu mets n'importe quoi. Enfin. Tu peux aller dans Download, n'importe quoi. Je vais mettre par exemple le trailer. Voilà. Puis là, les différentes vidéos sont séparées par ça. Voilà. Puis tu peux aussi les changer en mettant des transmissions, machin. Voilà. On peut faire ça par exemple. Et non, ça, je l'ai pas mis. Tu vois, tu peux mettre des transitions différentes. Voilà. Moi en général je mets rien. Quand tu fais des cuts, tu ne mets aucun. Voilà. Si tu veux couper la vidéo, tu veux faire un cut en pleine vidéo, tu appuies déjà sur la barre. En haut. Tu appuies sur le ciseau. Et tu fais scinder à la tête de lecture. Voilà. Pour régler le cadrage. En avoir sur une application qui s'appelle Zedge. Ouais, c'est Zedge. Et si tu installes, bon, de base c'est fait pour les notifications et les sonneries pour téléphone, mais tu peux les télécharger en appuyant sur les trois petits points, puis télécharger, voilà, si tu veux. Voilà, c'est à peu près tout. Donc j'ai rajouté ça, par exemple, voilà, ça va mettre le bruit. Puis après, tu peux. Peux changer de place. Ensuite, tu as couche. Donc couche, c'est très bien parce que tu peux faire. Par exemple, je vais mettre. Tu peux aussi mettre des images, hein. Ça je ne l'ai pas dit. Donc tu peux aussi. Voilà, par exemple, mettre ça. Voilà, elle va apparaître sur ton écran. Tu peux réguler la taille. Et si tu veux juste le son de la vidéo, bah, tu peux faire le chroma case. Tu l'actives. Et tu mets ça, voilà. Tu règles bien pour qu'on ne voit plus. Si tu veux juste la musique. Après, il y a bien sûr les fonds verts.
pas trop. Voilà. C'est tout. Enfin, si. Tu peux aussi utiliser ta voix. Bonjour. Attends, ça n'a pas marché. Alors. Non. Bon, moi, ça marche pas. Bon, bref. Tu peux enregistrer ta voix comme ça. Si tu peux prendre des images avec l'appareil photo. Voilà. Ou alors caméra, caméscope. Bon, ça, je m'en fous. Tu peux aussi aller dans le magasin pour acheter des. Enfin, il y en a qui sont payants, mais. Pour acheter des effets et tout. Voilà. C'est à peu près dit tout. Après, c'est à toi de voir.